On l'a eu. On l'a eu. On l'a eu. Ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher en ressources. J'augmente. Tu as fait preuve du talent que Maillon et moi-même avions vu en toi. Tu atteindras la grandeur. Merci. J'en ai fini ici, Mistios. Je m'en vais. Je ne suis plus fait pour vivre devant la porte de la reine. Je dois passer à autre chose. Où vas-tu aller, Skoura? Que comptes-tu faire? Mener ma vie le mieux possible. Tu vas aller voir ta fille? Ma petite Anaya. Oui. Je crois que je vais la voir. Nous nous reverrons, Skoura, je l'espère. Ça marche. Je comprends, mon ami. Ami? Pas vieillard? Pas vieillard. Ami. Avant que je te quitte, je t'ai organisé un dernier combat. Oh merde. Le meilleur adversaire de tout le monde grec. Ce ne sera pas facile. Mais rien n'est facile dans l'arène. Ça t'intéresse? Je suis d'accord. Ça doit être lui. Oh, c'est quoi ça? Alors, pour l'équipement... Attends, j'y crois pas qu'on ait de la merde comme ça. Pour l'équipement, j'ai mis à jour, en fait, Agamemnon, parce qu'il y a dégâts de feu là. Là, il y a durée de l'incendiaire, durée incendiaire, durée aussi. Et là, il y a accumulation aussi. Donc, j'ai fait ça. J'ai pris cette épée aussi, puisqu'elle a dégâts de feu plus 20%. Et je lui ai mis le 100 de dégâts, le 100% de dégâts. Et on utilise l'arc d'Hadès, donc j'ai fait que tirer, tout simplement, en fait. Gros dégâts de feu. Ça marche bien, ça marche bien. Ça marche plutôt bien. Ouais. On a encore un combat, mais c'est pas là. Donc ça doit être ce mec-là. Attends, tiens, qu'est-ce qu'elle dit maintenant? Vasilis, le roi de l'arène. Un spartiate qui aime se vanter et a des raisons de le faire. Ok, toi. Vulgaire. Tu veux affronter quelqu'un dans l'arène? Oh! Il y a les... Il y a tout le monde, en fait, mais en version niveau 50. Je vais affronter cet adversaire mystère dans l'arène. Skoura a dit que même les dieux acclameraient celui-là. On va voir. On va voir et... Et moi je vais arrêter là après. C'était, je faisais juste l'arène en fait. Parce que je pensais que ça allait me prendre un petit moment. Skoura? J'en étais sûr. Regarde ça, Mistios. Oh, sans ça, tout ce que j'ai été se résume dans cet instant. La guerre, ma vie dans l'arène. Ma fille Anaya, et toi, toi, Mistios. Bon sang, réfléchis. Tu ne sais pas ce que tu fais. Je sais parfaitement ce que je fais. Tu vas devoir m'affronter, Mistios, et je n'hésiterai pas à te tuer si j'en ai l'occasion. Très bien, vieillard. Je vais t'envoyer dans l'autre monde. Avec plaisir. Fait des très bons dégâts dans la tête. On a les dégâts augmentés dans la tête et le feu fait très mal aussi. Et ça dure très longtemps aussi. Donc en théorie, on peut plus ou moins tuer qui on veut en faisant ça. Si jamais il veut se remettre du soin, il faut que je réagisse bien. Il faut que je...
je fasse l'aveuglement. J'arrive pas, je regarde pas vraiment sa vie quand on tire dans la tête, mais on fait du bon dégât en théorie. Ah, il voulait soigner, mais on l'a bloqué. Ok, faut que je garde un d'adrénaline. Oh, il a un arc aussi, merde. J'avais pas prévu ça. Pas mal pour un vieillard, en effet. Pas mal du tout. C'est ce que je pense aussi. Et ta fille, Anaya? Elle est sûrement morte. Plus d'Anaya. J'en étais sûr. Elle est morte il y a 9 ans. J'en étais sûr. Alors, quand tu as parlé de la revoir? Pour nos retrouvailles, je ne voulais pas qu'elle me voie telle que je suis devenu. Un vieillard inutile. Il m'a montré que je pouvais aller fièrement à sa rencontre. En héros de la reine. Tu ne penses pas qu'elle sera fière? Non, ça ne sera pas le cas. Non, on ne peut pas être d'un connard quand même. Tu feras sa fierté, comme tu fais la mienne. Je lui parlerai de la nouvelle héroïne de la reine, une guerrière honorable. Notre armure est toute tachée de sang. Mon ami. En plus, elle est en blanc, donc du coup, ça se voit beaucoup. Et tiens, on lui marche sur la main. C'est paisible, n'est-ce pas? Nous aspirons tous à cette paix. Honneur. Et paix. Comment fait-on pour les acquérir? La paix et le respect. À notre mort, nos actes doivent parler d'eux-mêmes. Ils nous définissent, ils sont notre héritage. Ce qui compte vraiment, c'est le souvenir qu'on laisse. Quel souvenir garderas-tu de Skoura? Le souvenir de ce qu'il était vraiment. Un héros de la reine. Et un ami. La foule exige toujours plus, Mystios. Veux-tu regagner la reine avec moi? Allons-y. Ouais. C'est sympa. Ça, c'est sympa. On va voir ce qu'on a gagné. Mais ouais, je raccrocherai ce petit bout d'arène au prochain épisode, donc je mettrai ça en début. Et après, je ferai l'épisode raccroché. Parce que j'ai fini en fait l'épisode juste d'avant. Et j'avais vraiment envie de finir l'arène en fait. Tu vas fermer ta gueule toi, putain. Alors on a récupéré sa lance. On peut même pas la voir, c'est bête. Dégâts sur soldats spartiates. Durant la guerre contre les Perses, cette lance a fait couler du sang d'un nombre considérable d'envahisseurs. Lance de Skoura. On peut la démonter. Bon bah du coup c'était pas très très intéressant. Ouais non, très déçu quand même des récompenses. Bon oui, il y a des trucs
un peu unique, genre combattant de l'arène par exemple et tout. Donc on a, je suis sûr qu'on a récupéré des parties qui nous manquaient. Il y a Amazon, je crois aussi qu'on a récupéré, je sais plus. Combattant de l'arène aussi. Non, on a deux parties qu'on a récupérées. Mais voilà. Mais sinon, ouais, j'ai mis du coup ça. Donc on est en 155% de dégâts de feu. Durée de durée incendiaire 25 secondes. C'est énorme. Accumulation incendiaire, c'est 225. Donc une flèche, ça met le feu à quasiment tout le monde, sauf s'ils sont très haut niveau. Très haut niveau, il faut quand même juste deux flèches. Voilà, c'est tout. Donc c'est extrêmement puissant. Est-ce qu'on peut complètement continuer à jouer avec ça? Honnêtement, ouais. On peut continuer à jouer avec ça. Mais on va remettre cette arme là, je crois. Dégâts avec aptitude de cri de guerre d'Arès, plus 50% de dégâts. Ça aussi, je crois que le plus 50% de dégâts avec aptitude de cri de guerre d'Arès, je crois que. Du coup, ça marche sur tout. Bah attends, on a combien de dégâts là? 7000 de guerriers et 6000 de chasseurs. Non, ça montre pas. Ok. Je pensais que ça ferait comme Phoenix, l'autre jeu là qu'on avait fait, où on voyait pendant les buffs, on pouvait aller dans le menu et voir, mais apparemment non. Le carquois, il est vraiment cool. Le carquois est très cool. Mais non, on peut pas avoir. Donc, mais je suspecte que les 50% de dégâts, du coup, ça marche sur les flèches aussi. Par contre, ce qu'on va mettre sur la masse, parce qu'en fait, on n'a pas d'autres armes intéressantes. Par la lance, mais la lance, elle a ça. Moi, je veux pas ça. Pour jouer normalement, je veux pas un truc qui me réduit la vie. Donc, on va garder la masse, mais on va mettre quelque chose dessus. Alors, on est à 42 000 de vie, 6600 d'armure. 42 et 6,6. Tu as besoin de quelque chose? 42 et 6,6. Ça. Parce qu'on peut pas le mettre sur une partie d'armure. On peut pas mettre ça. Que les gants là qu'on ça, mais c'est pas vraiment intéressant. Demande-moi tout ce que tu voudras. C'est 42 et 6,6. Là, on est à 51 000 du coup. Et 7300 d'armure. Donc, c'est pas mal ça, santé et armure. Ouais, on peut utiliser Agamemnon. J'ai envie de dire. Après, Agamemnon a des durées incendiaire, ça dure très longtemps. À la limite, on peut genre foutre le feu à quelqu'un et que se casser et attendre. C'est la moitié d'une minute, je crois. C'est quoi? C'est 30 secondes, 35 secondes Non, 25 secondes, c'est 25 secondes. Donc, c'est bien. Mais après, on a toujours notre équipement qu'on utilisait, si on veut. Ouais. Je crois que les morceaux d'armure là qui donnaient, genre par exemple ça, là il y a armure totale 24% et tout ça, je crois qu'avec juste ça en fait, genre santé et armure plus 20% ça suffit. Après on peut devenir un très gros tank avec ça. Hein. On rajoute ça, plus de l'armure et de la vie un peu partout. Ça peut être intéressant. Mais il nous faudrait le casque maintenant. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Mais bon, un peu déçu des... Oh, on est presque 45. On a combattu des gros ennemis, on est presque 45 du coup. Je vais juste voir ce qu'il nous propose, lui. Vulgaire. Tu veux affronter quelqu'un dans l'arène? Non, ça ira. Je m'en vais. Comme tu veux. Donc on a tout le monde en niveau 50, on le fera aussi. Peut-être que là, ils vont nous donner des bonnes récompenses, par contre. Genre tous les trucs en légendaire. Mais ouais, on va rester comme ça. Je vais continuer mon épisode, moi, après, mais plus tard, je crois.
Mais voilà, je crois qu'on va rester avec cette armure pour le moment. Et qu'est-ce qu'on a à faire sur cette île? Il faudrait que je me rappelle pour la prochaine fois. On a la reine. On a... Ouais, on a un gros morceau. Mais honnêtement, ça m'intéresse pas vraiment de faire ça. J'aimerais partir à la chasse à Kaya. La chasse du membre du culte, en fait. De l'huile. Un indice à propos de l'adepte a été perdu dans une crique de la côte des pilleurs en Akaya. La côte des pilleurs. C'est quoi la côte des pilleurs? C'est tout Akaya. La côte des pilleurs. Ça peut être n'importe quoi. Allez. Ah, côte des pilleurs, c'est ça, c'est écrit. Parfait. Ben, ça doit sûrement être là-dedans. Peut-être. Donc on ira chercher notre indice la prochaine fois. Ça nous fait vraiment voyager, hein, parce que là, on est à l'autre bout, hein, quand même. On est vraiment, vraiment à l'autre bout. Je sais, mais on le fera en bateau, ça nous fera une aventure. La dernière fois, on a tué un mercenaire et tout ça, hein, donc c'est pas vraiment les aventures qui manquent. On fera comme ça, ligne droite, jusqu'au... port ici quelque part. Ah bah tiens, on peut faire plein de mecs du cosmos en fait. Île de Salamine, il y a Brison là-bas. On peut revenir ici, roi l'Elex. Il y a Sotera, elle, je voulais la faire, enfin elle ou lui. Elle. Je voulais faire les deux, donc on pourra faire les deux puis après on continuera. Ouais, je ferai ça pour la suite. Ah oui, et avant de continuer, j'ai vu que j'avais dégâts de feu et accumulation en fait sur deux parties. Sur l'arme de base, j'avais oublié qu'elle avait ça, l'arme de base. Donc l'arc d'Hadès, en fait, on peut complètement changer. Nos marchandises sont de la meilleure qualité. On peut complètement changer la gravure. Dans un sens, je me dis qu'on pourrait... Dégâts tirent dans la tête. 20% dégâts tirent à la tête, c'est pas bof. Je crois qu'on pourrait mettre armure et santé dessus. Parce que l'arc, on va jamais l'enlever en fait. On va jamais le changer. Ça m'intéresse pas, 20% sur les différentes aptitudes. Parce que c'est seulement une aptitude. Après, il y a 20% de dégâts tirent dans la tête, ça c'est intéressant, mais bon, faut tirer dans la tête quoi. Non, je crois qu'on va prendre ça. C'est comme ça, on aura toujours le santé et armure. Et après, sur la masse, on va mettre un truc genre ça, ouais, 50% de dégâts. Parce que la masse, on va sûrement la changer. Merci. Mais ce qu'on va garder, surtout, c'est l'épée. Donc du coup, les dégâts de feu plus dégâts feu accumulation. L'arc, on va pas le changer non plus. Il tire des flèches de feu. Et maintenant, il a santé et armure. La masse, on va la changer. Parce que ça va pas être une arme définitive. Ça pourrait être une arme définitive. La cicatrice Prométhée. L'arc d'Hadès, ça pourrait être une arme aussi définitive. Et après, l'équipement, ça pourrait être définitif aussi. Je me demande si l'accumulation n'est pas un peu exagérée. Je vais regarder ce qu'on peut mettre sur l'armure, sur le body. On a déjà beaucoup d'accumulation. Mais je crois qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant en fait. Il n'y a pas énormément de choses intéressantes en fait. Après, c'est pas assez haut niveau. Dégâts de chasseur 10%, bof. L'armure, augmentation de l'armure, oui, bof. Vous voyez, c'est pas des trucs très très fun. Ouais, non, on va garder l'accumulation du coup. On est bientôt au niveau 45 aussi. Merci d'être venu. Voilà, ok. Cette fois, on continuera l'épisode sûrement juste après parce que je l'aurai rajouté. A tout de suite. Et nous sommes repartis. Le feu est très... Il fait beaucoup de bruit ici. Nous sommes repartis, poussez-vous, je suis le roi de la reine. Donc la dernière fois... Enfin c'est pas exactement la dernière fois, normalement j'ai édité, j'espère. Les 30 minutes à peu près d'arène. Je vais voir l'équipement vite fait, pour être sûr que ça a bien sauvegardé quand j'avais fait les changements.
Ouais, on a santé, armure, on a le truc de crise, arme de vie. Ok, ça marche. On est bon. On va rester avec Agamemnon pour le moment, comme j'ai dit. Et on va essayer de récupérer le casque. Et voilà. Et puis voilà. Alors j'avais dit avant qu'on se quitte, enfin pour vous c'est directement, mais bon c'est pas grave. Parce qu'en fait j'avais fait l'épisode, et donc on avait arrêté l'épisode avec l'arène et tout ça, mais j'avais vraiment envie de finir le dernier combat, là, le niveau 50. Donc du coup je l'ai enchaîné. J'avais vraiment pas envie de passer à côté de ça, surtout que j'ai vu que je pouvais le faire en fait. Quand je sais que je peux faire un truc, il faut que je le finisse. Donc on a le choix, ou on fait les petites îles, mais bon ça m'intéresse pas vraiment, donc on avait dit Akaya. Aux côtes des pilleurs pour avoir un indice sur un mec du cosmos. Donc, et ce qu'on peut faire, donc, c'est partir en mer, s'arrêter là, Brison, Sotera, et on est bon. Ouais, on peut faire ça. Donc, on n'a qu'à faire genre comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Go bateau. Go bateau. Est-ce qu'on prend une barque? Ouais, je crois qu'on va prendre une barque. Waouh. Monte, merci. C'est bon, let's go. L'équipement d'Agamemnon là est vraiment sympathique. Le feu reste longtemps, il y a une facilité pour mettre le feu. Et après il y a le taux de brûlure, donc encore une fois je sais pas ce que c'est exactement le taux de brûlure. Les dégâts j'imagine. Bah il y a intérêt en tout cas. Allez c'est parti. Le bateau est juste en face. Campement militaire d'Ostrio. Non, mais on va pas rester là, on s'en fout. Ce bateau n'est pas fait pour le large. Je sais. C'est pour ça qu'on va pas au large. Par contre, je sais pas s'il va tenir là. Je sais pas si c'est considéré au large ou pas là. Je pense pas. Oui, je vous ramène une barque, les mecs. Vu que vous savez pas ce que c'est une barque, apparemment. Alors, c'est parti, on rentre. On y va. Tout est paré, capitaine. Plus vite ! À pleine vitesse ! Nickel. Ça m'étonnerait si... Et c'est parti. Donc ouais, on va faire cette petite aventure là. De partir à la chasse aux membres du cosmos. Donc en théorie, on devrait pouvoir en faire 3 d'affilée. Enfin 2 déjà, parce qu'on sait qui c'est, on sait où ils sont et tout ça. Et après le troisième, on va devoir faire une enquête. On verra ça. On a un indice par rapport où on peut trouver l'indice pour le membre du cosmos qu'on veut, qu'on recherche. Donc on va faire ça. Très joli le temps et tout ça. Très très classe. On a des gens. On a un port ici. Tout le monde, en face du combat. Non, c'est bon. On n'a pas vraiment le temps. C'est juste des petits bateaux en plus. Pas vraiment le temps. Ah, le décor change hein, quand il pleut, il fait nuit et tout ça, comme ça. Replier la voile ! Replier ! Non, j'ai jamais dit ça. Ça, c'est parce qu'on était trop près des côtes, je crois. Il y aura d'autres batailles. Et la tête d'IA est un navire croisé.
Ah, j'adore cette musique, faut que je la trouve sur YouTube. Mais sinon, ouais, ça va être notre petite aventure tranquille. Pourquoi on ralentit ? Notre petite aventure dans la mer et puis après en terre. Genre, est-ce qu'il y a des créatures dans l'eau ? Voilà le jeu. Je me demande. Parce qu'on sait que du coup, on a combattu un cyclope par exemple. Donc les créatures existent. Il n'y a pas que des humains et des animaux, il y a des monstres aussi. Enfin, des créatures. Là. Donc est-ce qu'il y a autre chose ? C'est ça ma question. Je sais pas, genre des pieuvres géants, j'en sais rien, des bestioles. Ça serait classe. Un truc qui m'embête, moi, c'est la carte, par contre. Je voudrais bien pouvoir ouvrir la carte sans que le jeu fasse une pause, en fait. Okay. Y a série fausse à passer. Une chose que j'aurais faite, moi, c'est, genre par exemple, on a la boussole et on a l'aigle. Enfin, quoi que non, l'aigle en fait, il joue pour une boussole. Enfin. Non, je pensais moi une longue vue sur le bateau et tout ça. Comme ça, mais en fait non, pas besoin parce qu'on a l'aigle qui fait ça, mais bon, ça aurait été cool quand même d'avoir des petites choses comme ça. Qu'on puisse identifier en fait les îles par un autre moyen que la carte. Comme ça, on reste dans le jeu tout le temps. Bon, ça va faire quand même à peu près 10 minutes de voyage. Je crois que c'est plus long de ce côté-là. Je sais pas, on se tape des grandes vagues et ça ralentit bien. Regardez-moi ça. Ça ralentit bien la vitesse. Ça ralentit bien. Et si on fait ça à chaque fois? Genre qu'on épuise leur barre et qu'on remette les voiles. Je sais pas si ça vaut le coup. Va falloir que tu te pousses, Athènes. Qu'est-ce qu'il est gros celui-là? Après, on aurait pu rajouter de la customisation aussi sur le bateau, hein. Plus que ça. Genre avoir des emplacements. Ah, ok, on a passé série fausse. Donc, du coup, maintenant, on voudrait faire bison. Donc, on a le port, on va bifurquer sur la gauche. Pour passer le petit morceau de terre. Et après on va aller directement sur le membre du cosmos. Mais moi ce que j'aurais fait avec le bateau, ça serait des emplacements que tu peux customiser sur le bateau par exemple. Genre
Alors, tu agrandis le bateau, t'as plus de place, t'as plus d'emplacement. Tu peux, par exemple, mettre une deuxième voile pour accélérer. Ou sinon, à la place de mettre une deuxième voile, on peut mettre, je sais pas, un canon, par exemple. Donc, on peut choisir. Genre vitesse ou alors combat. Des choses comme ça. Ça aurait pu être sympa. Enfin, je tiens un canon, mais bon. Peut-être pas l'époque, mais voilà quoi. Genre par exemple, plus on met de... Je sais pas, plus on charge le bateau en flèche pour les archers et tout ça, plus il tire vite, mais plus le bateau est lourd. Donc plus il est lent. Enfin lent, faut pas exagérer non plus, hein, c'est pas une barque, hein, machin. Mais voilà. Et si jamais on veut faire que voyager, on peut tout retirer. Et mettre genre deux voiles et qu'ils soient extrêmement légers en fait. Préparez vos avirons. Préparez les avirons. Vous voyez, des trucs comme ça, ça pourrait être vachement sympa en fait. Salamine. Waouh, cool. On est arrivé sur Salamine. Ouais, on s'arrête là, parce qu'on pourrait faire le tour de l'île, mais j'ai pas envie. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Ouais, après on fera directement en ligne droite, comme ça, même à la nage. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit... Ah, attends. On a un forgeron là-bas. Forgeron, il y a peut-être des choses à acheter, genre un nouveau cheval ou un truc comme ça. Vous voyez, on aurait pu vraiment pousser en fait la customisation d'à peu près un peu tout, quoi. Qu'est-ce qu'il te faut ? Fais voir ce que tu dois. Aha ! Ça m'intéresse. Après, le reste m'intéresse pas beaucoup. Enfin, on n'a rien amélioré. Qu'est-ce qu'on a? Non, c'est 46 la masse. Attendez. Si t'es faut autre chose, dis-le-moi. Yeah, 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 yeah. On a 46. Ah oui, on a l'arc 45, mais celui-là, il est moins bien. On garde celui-là. Et pour l'équipement, on n'a rien d'autre. Kéré à toi. Kéré, Kéré. Hop. La masse, on va pas la toucher. Très bien. Nickel. Tout mis au niveau 45. Ouais, je sais qu'on a un point d'aptitude, mais on s'en moque. Je pense que c'est un peu le problème des Assassin's Creed, de ce qu'on m'a dit apparemment, c'est qu'ils les sortent assez souvent. Même maintenant, ils ont ralenti parce que... Parce que il y en avait qui étaient sortis extrêmement buggés là. Oh putain, on est déjà. Carrière de marbre, ok. Ils sortaient extrêmement buggés. Donc après, ils ont ralenti et tout ça. Mais je pense que si ça prenait genre 3-4 ans. Pour en développer un, ils pourraient faire nettement mieux. Encore plus de choses. Il pourra en faire un super jeu. Genre un Red Dead Redemption, vous voyez, le genre de gros jeu comme ça, quoi.
Je dois rester hors de vue. Elle est juste là. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement de potentiel en fait. Bon bah voilà, ça c'est fait. Là on fait très mal quand même. On fait très très mal avec l'arc, ça y est. Là. Fais dodo. Guerre athénien. Héros de guerre athénien, c'est du mêlée, je crois. Ah non, c'est le 7 qui pourrait être intéressant. Enfin, dégâts de chasseur, en fait. C'est surtout les dégâts de chasseur. Ça pourrait être très intéressant. Faut voir, c'est joli. Ouais, ça doit être un. Ouais, ça doit être un truc de chasseur, quoi. Enfin, le look d'un chasseur, vous voyez, genre avec un gant et pas l'autre. Un gant plus gros, plus lourd que l'autre. Ah, attendez, un point d'aptitude. Ce que j'ai vu qu'on avait pris la truc qui sert à rien là. Autant la mettre au max. Ouais, si je fais ça, ça tue. Il y a vraiment pas beaucoup de défense ici. Hein. Oh merde. Allez! Je vais te saigner! Oh, c'est le mec. Bon, allez, on. Waouh, il défonce tout le mec. Now. Oh la vache. Les dégâts. Athènes d'un avantage certain. Mais bon, suivant. Est-ce que vous avez un bateau? Yes. Ah mais c'est oui, c'est juste là. Parfait.
Parfait, parfait. Ce bateau n'est pas fait pour des eaux profondes. Magnifique. Oh là là, il brûle direct. Ça tue. Ow. Joli. Il avait un peu trop de feu à mon goût. Très bien. Il y a des flèches qui traînent ou pas? Pas de flèches qui traînent. Non. Non, non, on peut voir un peu. Tu peux rejoindre mon bateau. Ou mon bateau, oui, oui. C'est quoi ton nom? Rhoda, la femme des cavernes. Eh merde. Allez, vite. Je ne suis là que pour la Si elle se fait tuer, je rigole quand même. Mmh. Putain de merde. C'est bon, on l'a tué. J'étais en train de boire, quoi. Un peu la vie qui lui reste. Non. Ah putain, c'est vrai que quand je... Parce que quand j'ai mon arc dans la main... Putain, je suis même plus invisible. Quand j'ai mon arc dans la main, c'est pas compté le fait que ça pousse. Ça fait du feu, mais merde. Oh, elle est presque morte, c'est ouf. Quoi. Voilà, très bien. Je peux t'offrir une vie. Ça tue, le mec il est surpuissant, ça tue. Vraiment content d'avoir choisi lui. Bon allez.
Parce que comme, quand je suis comme ça en fait, ça brûle pas. Mais dès que je cible, c'est un feu actif en fait. Du coup, ça peut foutre le feu à des choses. Bah, comme ça par exemple. Voilà, ça fout le feu. C'est comme si je tenais une torche. J'ai envie de tester un truc. Si je fais ça, est-ce que je peux le... Ah non, je peux pas, ouais. Non, même comme ça, il s'active, le mec. Ça, c'est con, ça. J'aurais fait des assassinats avec des archers aussi, avec des flèches. Genre des ralentis aussi, ça aurait pu être cool. Ah. J'avais pas vu qu'ils avaient une torche. Ah, exact. Exact. Allez, go, go, bourrin. Tiens, on va tester ça. Flèche qui traverse. Ah bon, faites chier avec vos coups, votre coup de pied là. Alors, est-ce que je me la pète un peu parce qu'on est extrêmement puissant? Un tout petit peu, j'avoue. C'est assez violent là, c'est assez violent. Vous avez encore des renforts ? Ça va être très compliqué de nous arrêter là-bas. Je vais être honnête. Je vais être honnête, ça va être très très compliqué de nous arrêter. Donc résultat des courses, on met bien le feu en une flèche. Quand on combat des ennemis de notre niveau. Truc à faire. Attends, où est-ce que tu... Ah.
est bon. Ah, les remparts, les flèches. Attends, j'ai entendu un mec, il y a sûrement des prisonniers. Merde, faut les libérer. Let's go. Comment il prend cher? Pas si mal. Et les mecs encore de la torche qui arrivent. Faut pas l'éteindre la torche? Comment ça marche? Pas mal. Pas mal du tout même. Ah merde, il va peut-être tomber aussi. Viens ici. Bien joué. J'ai un navire. Rejoins mon équipage et découvre la liberté. Ah, les dégâts de feu, on les voit, on voit la différence quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ok, le combat s'est activé, mais j'ai rien. Bon, attends, qu'est-ce qui me manque là? Ça commence à me saouler. On perd un peu trop de temps ici. C'est bon? Oula, ça me gave. Attends, fais voir. Carte. Ah si, c'est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on peut partir. Qu'est-ce qu'on a là? Se synchroniser au lieu. D'accord. Ah mais non, mais ça c'est la quête du mec. Faut parler haut, mec, on s'en fout. Donc après on avait dit qu'on voulait partir pour la côte des pilleurs. La côte des pilleurs. Donc du coup, on va prendre... Je sais pas si c'est un quai. On a qu'à aller là. C'est bon, on est parti. Allez, on y va. Il y a un nouveau dirigeant. Un nouveau dirigeant. Ça me paraît être un bon challenge. Reste derrière moi. Arrête de tuer de mes mains. Au secours, Edgar.
bien. Ferme ta bouche. Va falloir partir, madame. Ah, je l'ai pas tué. Ah, il est mort. Mince. Non mais toi t'es tu fais partie de d'une quête, je vais pas te tuer. Ah, on a tué le mec. Tu as besoin de quelque chose. On s'arrête au forgeron, vite fait, on regarde ce qu'il a à vendre. On prend ça. Merci, au revoir. Ravi de te voir. Ça fait plaisir. Je voulais le recruter, le dirigeant, là. Faire ma petite collection, là, de dirigeant. Mais bon, je tire un peu trop fort, en fait. Ah, là, on a un vrai build de... archerie feu. Les tirs à la tête font très mal. Ah, les dégâts de feu, on n'en parle pas. Pyramide de pierre. C'est bien, les Spartiates s'en foutent un peu de nous. Alors qu'on a tué leur dirigeant, c'est pas grave. Il est où le quai exactement ? Là ? Ouais. D'accord, c'est pas vraiment ça que je vais faire. Mais... hop là. C'est parfait. Paré à partir. Le capitaine prend la barre. Alors, on va regarder la carte vite fait. Donc, code des pilleurs. Fais voir un peu le membre du culte aussi. Alors, nous, on a découvert un peu plus de choses sur elle. Surnommée l'ombre, c'est une espionne. Et après, on a découvert ça. L'adepte est une brute, il faut poursuivre l'Odyssée. Le sage se mêle de la politique athénienne. 20% de dégâts avec un petit flèche fantôme d'Artemis. Ouais. Ça peut être pas mal, ça. Si on... enfin, comme ça, on n'a pas besoin de s'embêter pour viser, en fait. Nous sommes en mer. On est à pleine vitesse. Capitaine, laisse au rameur le temps de se reposer. Très bien. Ça va vite en fait, hein, notre aventure. On a fait la map entière, c'est pas extrêmement long et tout, et c'est fun quoi. On fait plein de trucs sur le passage. Ok, donc ça c'est la côte des pilleurs, c'est ça. Donc on devrait trouver un indice ici sur notre mec du Chronos. Les membres du culte de Cosmos Chronos. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui m'arrive ? Ça y est, mon cerveau il mélange plein de trucs.
Alors, une crique de la côte des pieurs en Arkéa. Ok, un indice à propos de l'adepte. Ok, il y a une ville. Je crois qu'on peut s'arrêter là. On a un coffre au fond. Tu crois que... Croyez-vous que... Putain, tous les épisodes, je vais devoir plonger, quoi. Ça me rend fou. Hein. Là, on a une barque, on va prendre la barque. Crique de l'épave. Je ne devrais pas aller si loin. On n'est pas loin. Va te calmer. Tu me fais peur à chaque fois quand elle fait ça. Il y a eu un naufrage ici, il y a des cadavres. Nickel. Ouais, on fait quand même nettement plus mal. Bon, après, c'est parce qu'aussi on maintient. On a un arc légendaire maintenant. Enfin, on a un arc légendaire. Et on maintient le niveau. Hein. Qu'est-ce qui se passe ? On maintient le niveau de notre équipement. Donc du coup ça fait mal. Bon allez, on y va. Ah, c'est pas très profond. Un gros coffre. Ah, pas d'indice. Pas d'indice. Et l'épave est pas finie ? Pied les trésors. 1 sur 3, putain. Non. Règle. Ok, ils sont disséminés par là, peut-être. La crique de les... Ouais, c'est la crique entière, en fait. Ça marche. Si je vais plus loin, je vais chavirer. Cassandra. Hein ? Ne me contredis pas. Le pouvoir de Poséidon est grand ici. Ah ouais. Timoxenos. C'est méga grand cette plage, c'est ouf.
Je pense qu'on a les deux coffres. Qu'est-ce qui se passe? Okay. Ah, ça mettait du temps à charger, ok. Ah, mais je sais pourquoi. J'avais l'impression que ça ramait un peu, en fait. Mais c'est parce que je suis en train de télécharger un jeu. Je suis en train de télécharger Grounded. Oh merde. Il est sur le Game Pass. Ah, pour une fois que c'est utile. Enfin utile, je suis sûr qu'on serait passé pareil. Vous aurez pas vu. Allô. Très bien. On a sûrement gagné. Yes. Ok. Où est-ce qu'on pourrait trouver... Oh bah on a une ville juste en haut. Hein. Attends, je vais peut-être aller dans la grotte là. Il va exactement où on était à chaque fois. Je vais voir un peu ça. Là, il y a des grenouilles. Ah, première fois que je vois des grenouilles. Ça tue ? On n'a qu'à monter, aller voir la... la ville. Je pense qu'on trouvera plus d'indices là-bas. Hélène. Ah, l'équipement est sympa. J'aime bien les jambes et les bras, là, le rayé comme ça, sympa. C'est assez spécial. C'est des bandes, en fait. Puis le torse il est très joli aussi. J'espère que le casque sera joli aussi. On va aller voir le forgeron. Bonjour. Nos marchandises sont de la meilleure qualité. Ça marche. Ok, cool. Nickel. Demande-moi tout ce que tu voudras. Ça marche. Tu serais quelque chose sur un membre du cosmos. C'est joli ici. Statue de Poséidon. Pardon. Malaka à gauche, ça se combat. Mais nous, on n'a pas le temps. Mon esprit. Oui, je suis vieux, ça va. Oh là là. C'est pas exactement là. Yes. Il y a un mec en cheval dans la ville. Je crois que c'est un chasseur de primes. Ou alors un soldat, mais... Ah non, c'était juste un soldat qui passait, ça marche. J'ai rien dit. Là, on a un truc. Là, on a une maison qui est un peu cossue. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Ouh, putain, en parlant de cossu, voilà, on va aller là.
En parlant de cossu, joli là-bas. On doit avoir de l'argent. Faut des... Pour trouver des indices, je dirais... Faut des mecs de pouvoir, peut-être, des choses comme ça. Le temple de Zeus. Ah mais c'est pas gardé en fait. Il est joli ce temple, tout en bois comme ça là. Je sais pas si ce que je préfère, la pierre ou le bois. Moi je dirais le bois quand même. Oui, 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 oui. Je suis plus bois quand même personnellement. Oh, parfait. Y a autre chose au temple de Zeus à faire? Ou c'est juste un lieu en fait? On va monter directement pour... Il y a deux coffres. On va monter directement pour trouver le dirigeant là, il est juste là-haut. C'était pas du vol. Me suis fait chier et tout, c'était pas du vol. Il fait jour, il fait nuit là. Let's go. Non, de travail de nuit. Là. Voir un peu le navire, on a débloqué deux mecs. Commence à être cher, hein, les cons, là. 700 et quelques. Très bien, let's go. Forteresse Doloros. Honnêtement, je crois que c'est notre meilleur shot hein, de faire une forteresse et tout ça. Il y a le mec de la région, en plus le ici le gouvernement. Le gouvernement, il est sur le point de tomber. Enfin voilà quoi, ça va être facile. Okéos, le roi des trophées. Alors, on peut le recruter, donc ça veut dire que c'est pas lui. Mais il a peut-être des indices. C'est très grand. Il y a une torche? Ouais, il y a une torche juste là. Cool, on va s'amuser ici. Il y a lui à recruter, tu vas me dire qu'il est seul. Ça tue. J'ai envie de lui... On va faire la frappe. C'est si jamais on le... J'essaie d'y aller mollo avec les dégâts parce que... Merde, faut l'éteindre. Comment on l'éteint?
elle. Oublie cette vie et viens naviguer avec moi. On peut tuer tout le reste. De la chance. Accepte mon argent et travaille pour moi. T'as de la chance. T'as de la chance que personne t'a vu, t'a entendu et tout ça, quoi. Du coup, on récupère un mec encore qui est un dirigeant, quoi. Par contre, 0 indice, ça c'est un peu bête. Zéro indice. Alors c'est peut-être pas quelqu'un qui est lié à la politique. Pas une personne liée à la politique. C'est peut-être un random, hein. Ça peut être des gens un peu... Enfin, tout et n'importe quoi. Des fois, c'est des hommes politiques puissants. Des fois, c'est des guerriers. Des fois, c'est des nomades à moitié cinglés dans la nature. Voilà, quoi. C'est... ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Faudrait s'occuper de la flamme qui est... là-bas. Pas mort. La flamme. Attends, où est-ce que je peux m'accrocher? Ah mais non, mais c'est pour descendre en fait. Discret. Oh la vache! Je fais de la merde. J'arrive pas à récupérer. Je fais de la merde, désolé. Ouais, voilà. Ça m'apprendra. Ça, c'est complètement ma faute. Ça m'apprendra. Là, j'ai vraiment fait de la merde. Pas le balancer comme ça.
What the fuck? Mais comment tu me vois, putain de merde? Je suis bloqué. Il bat avec une torche quand même. Il se bat avec une torche. Oh la vache. Avance. Super mal joué. Super mal joué. Là, j'avoue que j'ai voulu faire trop les choses vite. Là, c'est... Ah, là, là. On est puissant, mais faut pas déconner non plus. On n'est pas immortel non plus. On va le finir, hein. Il retourne. Briseur de genoux. Juste là. Des fois, quand on esquive, ils sont comme s'ils étaient contrés, en fait. Je comprends pas trop pourquoi ça fait ça. Oh putain. Deux chasseurs de primes ici.
Aïe aïe aïe. Il y a quelque chose là-bas. Deux chasseurs de primes. Vas-y, défonce-le. D'accord. Pas vraiment l'endroit où on s'en va, mais bon. Ah la merde. Oh la vache, les dégâts. Je vais bien jouer un moment, juste que je sais pas, j'ai du mal, je sais pas, je suis trop impatient. Trop impatient. L'autre, il s'occupe des cadavres en bas. Tu t'occupes pas du signal d'alerte. Enfin, avec tout le feu qu'on fait... Je serais pas étonné qu'on le déclenche. Ça va. Nickel.
par une. Il a pas pris feu encore. Aïe 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 aïe. Ton bouclier. Très bien. Je ne laisserai pas passer cette prime sur ta tête. Ça fait mal hein, le tir dévastateur avec cet arc, hein. C'est pas mal. Je me demande si on devrait pas... Est-ce qu'on peut mettre... Ah non, sinon on va perdre la... T'es qui toi? Ah mais c'est notre mec. On fait du combat, putain. Lance en or. Après, bon, on meurt pas à rien, tout va bien, hein. C'est pas catastrophique, hein. C'est juste que... Ouais, c'est pas un assassin, c'est bourrin man, quoi. Et gros bourrin. Technique gros bourrin. Très bien. Reste encore des trucs. On peut se jeter... Yes. Il y a des cordes, tu vas me dire que tu ne vas pas t'accrocher. Je crois qu'on doit être bon. On est bon. Forteresse finie. 42 000 points d'expérience. Ah, elle était comac, elle. Elle était bien grosse. J'avoue. Parabre,
75% remplissage de segments de potentiel insérés par abordage. J'ai vu qu'on a récupéré une lance qui a l'air sympatoche. 45. C'est pas mal. Ah, mais on perd quand même encore une fois en dégâts parce que l'autre elle a boost de machin. Tiens, on a dégâts de feu sur ça. Fait aussi plus mal. Adrénaline par crit. Ouais, mais je sais même pas combien de crit on a. Quoi notre taux de crit? Probabilité de coup critique 15%. Oh, d'accord, c'est nul. C'est nul. Il y a un mec encore là. Ok. Si tu veux jouer. Faut le recruter lui par contre. Elle. Ah, tu veux bien te laisser faire. J'ai besoin de cette prime. Qu'est-ce que tu fais? Non! Oh mon dieu! Allez, va mourir! Quelle merde! Ouais, dans un sens, c'était elle ou moi, donc. Hein? C'était elle ou moi, donc bon, c'est pas grave. Ça arrive. Wow. Ah, ça fait chier les aléas comme ça. Et là aussi on a un petit village. On a toujours pas trouvé l'indice, à moins que je l'ai mal compris. On a 5, très bien. À moins que je l'ai mal compris l'indice. L'indice à propos de l'adepte a été perdu dans une crique de la côte des pilleurs en Akaya. Bah, quand on était à l'extérieur, genre là, on a... Ah, peut-être que ça peut être là aussi, genre un coffre qui traîne. Ouais, un coffre qui traîne. Pourquoi pas. On va voir, on redescend. Par contre, on va peut-être... m'arrêter là parce que je dois rajouter le combat de l'arène, donc du coup ça va faire 30 minutes. Ouais, on va descendre, on va se poster à un endroit. On va voir ça. Je vois pas trop dans la crique peut-être encore, mais pourtant j'avais bien fait le tour avec l'aigle. J'avais bien fait le tour avec l'aigle et on était bon. Allez. Ah, on a un port juste là. Ok. Calliope. Un nom connu ça.
a rien. Ah. Ah non. Des requins qui sont revenus en fait. Ouais, voilà. Notre bateau. Là, on a un camp. Camp militaire athénien. Ça peut abriter un. Un indice. Là, quand j'étais passé, j'avais rien détecté. Donc là non plus. Ah, attends. C'est plutôt cool de pouvoir faire la carte entière comme ça en aigle, hein, quand on y pense. C'est... Parce que c'est limite en fait de la triche dans un sens quand on y pense, de pouvoir parcourir les cartes comme ça sans... Genre sans rien qui nous bloque. Et en théorie, dans la plupart des jeux comme ça avec des maps gigantesques, on peut pas faire ça. Mais là avec l'aigle et tout, c'est quand même bien stylé. Avance. C'est quand même bien stylé. On va voir cet endroit, puis ouais, c'était la maison que j'avais vue, puis après on va s'arrêter. Je sais pas où il peut être le l'indice. Quoi ce drapeau des... Taverne de Pélène. Taverne, ça. Ouais. Bon, bah. Reste plus qu'à continuer. On va vers les camps et puis voilà, puis on continuera cette zone là, parce qu'il faut trouver le mec du cosmos. Après s'il faut, je suis dans la mauvaise direction et tout, mais bon, c'est le charme de l'aventure. Hein. C'est un peu le charme de l'aventure, j'ai envie de dire. Ce qui est bien, c'est qu'on est presque à 9 triangles. Ça va être cool aussi. Campement militaire d'Aristonotai. Voté sur eux. Là aussi. Alors, on n'a qu'à finir sur ça. Mieux vaut éviter de se faire voir. Dommage. Ça va être un peu chaud hein, vu notre façon de jouer, mais. Oh merde! C'est un putain d'élite quoi. De l'eau! Mais de l'eau! Je vais te. Bon bah voilà. Voilà, c'est très très discret encore une fois.
content. Vous me faites chier d'avoir autant de vie à chaque fois. Les tirs dans la tête font très mal quand même. Qu'est-ce qui se passe? Casse-toi, le loup. Bon, on va s'arrêter là. Sinon, je vais pas m'arrêter. Ah putain, il y a juste un petit camp, vas-y, go. La mort. J'avoue, ça prendra pas vraiment longtemps, ouais. Pas besoin de chance. Pourquoi refuser ? J'avais pas le jouer avec les deux camps, c'est pour ça. On a trouvé des papiers. Peut-être pas des indices sur le sur ce qu'il nous faut, mais des papiers. C'est déjà ça. Ouh. Alors, résultat des courses. Donc ça, c'est bien. Non, c'est pas ça, désolé. Inventaire, quête, je l'ai activé. Alors, peut-être à cause de son périple, peut-être parce que l'humeur violente ce jour-là, Cassandra mena à bien une tâche sans même le savoir. Il ne reste qu'à aller chercher sa paix. Jouer avec les deux camps, parler à la mercenaire, ça marche. C'est bien. C'est bien, qu'est-ce que je te dise, moi. C'est très bien comme ça. Niveau prochain, on va s'amuser, tiens, avec ça. On va s'amuser avec ça. Crossmas, là, légendaire. Non. Bon, ben voilà. Je sais pas trop quoi faire la prochaine fois. Bon, on a un con. On peut aller faire ça. Rendre la quête. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre? Je sais pas. On verra ça la prochaine fois. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao.